Bonjour, bonsoir la famille. Avec plaisir, nous rentrons à la caillou pour capable boter baou une nouvelle émission. Nous allons faire un petit palais là sur plusieurs dossiers. Mais d'abord, faut me dire que y a une photo qui arrive jeune moi là. Eh bien, photo ça, c'est ta photo citoyen qui lui même fait premier coup de manchette là qui coupe tête policier Udmoa du côté Sodo. Et n'a pas rappelé que policier ça qui t'a déposé ménage li, pourtant ménage a te gon l'autre ménage. Bon, peut-être policier a pas te connaît. Et puis au cours de route pendant monsieur a tourné, n'a aussi même manchette sous lui. Donc photo a commencé viral et la police il t'a supposé mobiliser parce que toute commune nan dit ben c'est évident pour yo mettre monsieur en bas code. Même les monsieur qui t'a remé avec fia avant, mais monsieur pas de à l'entrée dans logique ça. Il t'a peut-être plus bon que monsieur lui-même al bat fia, mais al tout yon garçon pareil au bon femme parce que ça bon nous comprendre monsieur son garçon pareil non qui fait en femme pas bon. Même là nous connaît mesdames yo en pile nan yo konn bling bling oui, mais si tout garçon te respecte tête yo connaît. Ouais si femme ça al gen ménage m'pa pas l'emmerder parce que si mal l'emmerder son garçon pareil moi m'pa l'emmerder. Donc on pense que mesdames yo t'a prend mais pas oublier dans qui siècle nous son siècle libertinage. Donc c'est nous-mêmes qui pouvons sous connon et policiers en l'autre fois m'a envoyé message ça ba nous faites gaffe. Si vous prenez dans zone même l'autre a gagne femme dans zone là ou pas contre zone là bien eh bien plutôt vini en colonie pas vini pour compte tout. Donc photo à viral y a cherché monsieur. Bref, moi viens faire une petite analyse sur une vidéo et moi quoi nous gagne chance nous garder vidéo ça déjà. Ces vidéos là mois sans jour qui a présenté on douzaine zam environ parmi zam ça yo gen AK47 parce que AK47 là c'est une zam on est capable qu'on est bien parce que le bon Jean le fait ou après c'est AK47 qui en face. Un gros problème, quel est le problème? C'est pas vidéo non gen problème, même gen problème avec information bral jeune dans vidéo de la part de l'homme sans jour parce que on imagine monsieur pour nous saper ya et là c'est ça que fait on est pas contre personne nèg cap dit. C'était qui a fait. Et m'pap kont personne n'est gap di, c'est bagay sérieux qu'a fait bandi pral pran bois calé. Donc, moi rete nan juste milieu, m'a peu analysé, j'en pour m'analyser. En sérieux, mes amis. Kenya là, Kenya commence à mettre pied la terre. Il a fait petit coup de balle. Bah, qu'on est un coup, genre, monsieur, qu'on a dit en lâche. Mais c'est pas ça, non? Pendant toute. Bagay sa yo la, Kenya, la police, Blende Pro Max. En pou zam continue à rentrer dans le pays, Kounya la, PM Gary Koni qui te m'dou. Si se bagay sa yo continue à faire, c'est lave men si yate. En on dit tête non rapide vite. Kote, zam sa yo passe pour yo vini la. En on font ti raisonnement très clair. Go naïve, pas fait zam. Ça veut dire département la Tibonite. Département l'Ouest, pas fait zam. C'est peut-être. Quelques green ball, pas oublier nèg yo fait ou bien yo refait. L'autre département yo pas fait zam, yo pas produit bal. Mais kounya la, comment les hommes de 400 Marozo, si c'est pas un one man show, c'est pas Jolé qui a fait, nèg ça arrivé gen zam. Kounya nou ka pati sous logique que vidéo ça l'en bon sans jou fait a, c'est cas de trois zam li mette à terre là pour faire comprendre que ces zam li fait acheter. Et pourtant, Zamio Tekala, bien longtemps. Ça, c'est son premier paramètre. Parce que on faut que nous analysions bien. Deuxième bagaille. Et si c'est vrai, mes amis, Zam Sayo, c'est acheté, ne yota acheté yo. Kounya la, qui ça ou pral dit tête ou? Ah non, sérieux, non. Qui ça ou pral dit tête ou? Ça veut dire que, eh bien, l'obéi pirate. L'obéi pirate, c'est comme si son jouet de basket n'a pas assisté dans feuilleton si là. Boule la passe en l'air, tu panier. Et puis sortant de là, c'est presque dans le vide. Travail ça yo a fait. Parce que si bal a pantri, zam a pantri. Et puis bandi yo même, yo kon 100 fois presque extraordinaire. Parce que auparavant, mes amis, Chris la tabre l'an moué. Ne yo ta plein pour force la kap vini. Au point que ne yo te mette moun dehors. En comme si pou ne yo levon bon matin. Et puis tout ne tête frette. Depuis les nègres venir là, m'koué nèg canaré yo getan sou deux chansons. M'koué nan deuxième nan yo rele Kenya Wana. OK. Pas gen problème.
Et puis qu'on y a là, pas grand ken bagay qui qu'on fait qui pour remettre la Perez dans connex ça encore. Nous espérer Sagari Koni Diyo comme premier ministre, il va faire. Mais écoutez, je ne jodi à là, si n'a bataille, si gon bataille qu'a fait, moi pas gen problème non pour zam capable sortir Saint-Domingue. Zam capable sortir dans pays États-Unis. Zam capable sortir Canada. Zam capable sortir dans pays la France. Mais veille territoire noir. Veille frontière yo. Veille tout côté. C'est ça pour nous faire oui. Si ne pas faire ça, c'est laver Messi à terre parce que bon me dit non bagaille. Ouais ça gagne là, son problème qui était capable résoudre. Résoudre dans le sens que eh bien bandi yo nous font gens là pour yo pas jeune balle, yo te met jeune zam, yo pas jeune balle et puis bataille faite, yo à court de munitions et puis bang. S'entendre là, bandi en faiblesse mais pas de job. Ou bataille avec bandi. Ou voye balle logado et bandi a gen plus balle passo. C'est ça que fait dans next émission nous pral faire là, nous pral font parler de bataille qui te gen dans sa vie parce que nous gen des détails. Eh mon cher, nèg yo gen bagay nan men yo. Nèg yo gen balle oui. Nèg yo gen balle pour yo bataille. Bref, est-ce qu'on connaît commissaire Muscade frappé? Ah ben oui, gayon présumé bandit commissaire voyez Albert Champagne avec Lucifer. C'est Saint-Paul ni Kenson identifié comme membre gang. D'après ça yo dit, 103 zombies qui a opéré dans commune Gressier qui mourit 17 juillet 2024 là du côté de Berquin dans Miragouane. Chef parquet poursuite Miragouane continue à bataille contre grand banditisme. Dans le cadre d'une opération li mené jeudi mercredi, Saint-Paul Nickenson, c'est un nèg qui tombé. Commissaire Jean-Ernest Muscadet Mangil. Après li fin touye présumé criminel là, commissaire Jean-Ernest Muscadet réaffirmé détermination li pour faire de juridiction li un cimetière pour bandi armé. Département Grand Sud payant sous menace persistante. Gang armé cap chercher nouveau territoire. Situation ça a gain retombé néfaste sous population qui mande autorité pour prendre toute disposition nécessaire pour capable faire échec à plan bandio tête chargée. Avant de continuer avec l'autre dossier, on a fait passer dans le pays États-Unis côté que président Joe Biden l'a testé positif COVID-19. C'est une nouvelle lui là. Eh bien, en pile difficulté pour président Joe Biden en pleine campagne électorale. Et alors que candidature est contestée par propre Canli, eh bien, il est obligé de suspendre quelques activités puisque président là l'a testé positif COVID-19. Il était dans Nevada depuis 2 jours. Et il commençait à souffrir symptômes légers d'après Maison Blanche. Comme ça pas aller mieux, il finit par tester. Et alors, il était doué exprimer devant une organisation latino-américaine, il a annulé rencontre ça dans dernière minute. Dans le moment pour monter avion, c'était avec un pile difficulté. Il prend temps pour lui dire que tout bagage en forme. Et il était prend direction Maison Blanche dans chic station balnéaire. Et dans Delaware, li pral isolé tête li et continuer à assumer fonction li. D'après sa Maison Blanche, fait qu'on est. Ça intervenu dans un moment vraiment difficile. Alors que Donald Trump lui-même, li campé dans. Donald Trump continue à frapper souterrain. M'a regardé pour moi dans un reportage France 24, côté que partisans républicains yo. Yo même yo dit bonne chance monsieur Biden ou pas capable que on l'autre monde vienne en face non. Et ça qui a passé dans pays États-Unis là c'est octogénaire Trump plan lui même tout presque dans pral dans 80 parce que faut que monsieur dans 77 78 pour aller là me penser. Bon son face à face Joe Biden de temps en temps là gon petit problème et dernier problème qui t'est arrivé Joe Biden c'était m'ta capable dit bavure que li t'est fait dans discours, en pile erreur, les poutés cité non Volodymyr Zelensky, eh bien, les cité non Vladimir Poutine. Les pou cité non Kamala Harris, les cité Donald Trump. Donc, est-ce que c'est trop tard pour capable désigner un autre candidat? Je suis pas américain, moins pas démocrate, que
yo dégagé yo pour yo connait qui ça k'a fait parce que quitte l'été Trump, quitte les Biden politique États-Unis envers l'autre petit pays yo, yo pas changer. Bref. L'autre dossier non porté baou dans cas d'émission si la gagne trois armes à feu qui saisi par la police. C'est au niveau de Cazo. La police nationale d'Haïti a annoncé qu'elle saisit trois armes à feu, parmi eux deux fusils 12 et puis un Uzi, cartouche calibre 7.62, deux téléphones portables, ak yon sachet qui gagne la dani, substance qui semblait ak marijuana. Objet sa yo confisqué suite à yon affrontement dimanche dernier entre unité spécialisée PNH ensemble avec individu armé au niveau de Cazo. Côté yo fait ak prisonnier yo tap pote tankou patate nan gros camion boîte là. Prisonnier Carrefour yo transféré tankou bête. Prisonnier nan prison civile Carrefour transféré nan journée mercredi 17 juillet 2024 là. Eh bien, fon di que en pile moun vérifier ça gagné de journal en ligne en tant que radiographie qui lui même vérifier information si là auprès de yon source policière dans commune nan et qui tombait sous contrôle gang armé depuis avril 2024. Toujours d'après même source policière si là prisonnier transféré vers prison civile Tigouave. Yo mette yon tijan pi près Muscadin, c'est ça? Situation insécurité qui planait sous commune nan li à la base décision si là d'après yon source judiciaire. Mes amis, pour ça qu'a passé dans pays à là, monsieur pour nèg dans prison. Ou imaginez, nan ki pen nèg sa yé. Parce que nous te gen chance tomber sous quelques photos sous situation quelques prisonniers dans certaines prisons dans pays à là, eh bien bagay yo réduit. Par exemple, on prend le cas de Mirbalet, ou prend le cas de Ansavo. En pile l'autre côté, c'est ça que fait l'état évident pour que quand même gagnons attention particulière sous prison yo parce que nous connaît ça nous gagne là détention préventive volontaire nous ta capable dire c'est un bagage qui a crasé système dans depuis quelque temps parce que imaginez gagne qui vole en poule qui gagne t'en prendre pas 10 ans prison donc ou imaginez nèg yo pas gagne chance pour paraître devant juge et c'est mauvais traitement parce que gon bagage pour comprendre même les moun rele Jimmy Cherizier alias barbecue même les rele Vite l'homme même les rele l'homme sans jour. Quel que soit côté, il y a des piles pas dans cimetière. Li mérite traitement tant qu'au monde, même Jacques tout monde, li mérite traitement comme si tout monde a besoin manger, faut que li jeune manger. Si tout monde mérite baigner, li même tout faut que li baigner. Si prisonnier au jeune on drap pour yo couvrir, faut que tout nèg couvrir. Est-ce que nous comprenons? C'est juste yon exemple m'a ba nous. Maintenant ça nous est là, on est qui dans prison. C'est tête chargée papa. Moi, pas de quoi faire un petit parler avec nous là, non, sur bataille qui te gagne dans la saline. Bon, finalement, mamit ça, non, par contre, qui est la suspend bouilli entre la saline ensemble avec Negmi Kanoyo. Depuis les vivants ensemble mettez sous pied, nous t'a capable de dire déjà qu'il y a plusieurs petits coups de balle qui pétaient entre Negsayo. Et avant vivre ensemble, nous t'a capable de dire bataille à tes miel. Entre Neg La Saline et Neg Mikano. Gen soldat tombé. Dans la première vague bataille, nous voyons comment Neg Mikano yo te kon ap rabouye Neg La Saline. Mais bataille ça, m'a capable di qui éclate là, c'est même groupe yo, mais vingon l'autre citoyen parce que nous connaissons après prison te fin krasé, bout de Jean-Jean te mette kol dehors. Eh bien, bout de Jean-Jean, vin nan game nan là. Nous sommes capables de dire son soldat en plus qui vient à bataille ensemble avec Neg La Saline. D'après une information qui arrive jeune moi, eh bien, information fait quoi que Bout Jean-Jean La Saline gagne 6 Neg Avel et qui très beau sale. Ti Joel, Didi, Ti Yvon, Ti Bon, comme ça. Et Ti Pablo, légende. Eh bien, information fait quoi que Gemi Kano face à Bout Jean-Jean. Ouais, na yo just mette bout de Jean-Jean. Nan bataille. Sorti nan prison, monsieur te kidnappé yon série malheureuse nan bloc 1. En plus, bout de Jean-Jean prend kob nan men moun sa yo pou te capable libérer yo. Na yo sorti nan prison, yo besoin l'argent, faut que yo fonctionne. Eh bien, c'est yon nan bagay ki à la base
bataille ça entre deux groupes ça yo. Nous allons chercher informer pour nous capable porter plus de détails pour nous dans quatre batailles ici là, mais en pile dégâts fait entre La Saline ensemble avec Neg Wav Jérémy qui gagne en tête yo Mikanor, chef gang Mikanor. Magistrat Wando Saint-Villiers réélu pour capable représenter tribunal première instance non CSPJ. Doyen tribunal première instance là, Wando Saint-Villiers, eh bien lui-même li réélu comme représentant tribunal de première instance dans pays dans Conseil supérieur pouvoir judiciaire là, dans cadre d'une élection qui fête c'était mardi 16 juillet 2024 dans différentes juridictions dans pays. Élection ça a déroulé dans Port-au-Prince en présence président CSPJ, magistrat Jean-Joseph Lebrun ensemble avec membre commission électorale qui gagne la dani Evans Fils, maître Evans Fils, membre CSPJ, maître Amos Auguste, protecteur adjoint au PC, Dr Chantal Noël, représentant Université d'État d'Haïti, 141 sous 144 voix, soit 97,9% voté en faveur doyen tribunal première instance Echelon. On en suit. Avantages sociaux et dans l'amélioration et traitement magistral en dans pays à travers l'association. Donc pendant que moi dans CSPJ, moi j'étais fidèle avec les revendications et tout besoin et magistral en termes de changement. Il y a des choses qui arrivent faites de manière structurelle parce que en fait, nous connaissons 3 ans, c'est 3 ans très difficiles. Problème de gouvernance, problème d'insécurité. Donc ça fait que et pas gagner une pleine satisfaction. Mais magistrat yo yo bien conscient du fait que moi j'étais attaché à cause là, moi j'étais attaché avec l'idée de départ là qui s'est défendre l'intérêt yo et défendre nos magistrature qui est indépendante. Moi même c'est un monde qui a prôné une nouvelle organisation de la justice. Ça fait qu'il y a un texte que moi j'ai publié en 2021, c'est des idées pour une justice véritablement indépendante et efficace qui sous-titré pour une réforme judiciaire en profondeur, un véritable changement de paradigme. Moi, prenons l'autre organisation de la justice. Parce que, en fait, tel que ce système est organisé, nous trop tributaires de pouvoir politique, yo, notamment de pouvoir exécutif. Là. Donc, du coup, travail pour renouveler le mandat jugeux n'est pas seulement concerné le CSPJ. Au niveau du CSPJ, nous examinons le dossier juge-là, nous regardons est-ce que nous devons avoir un avis favorable pour lui. Si le juge-là sont juges qui méritent pour que nous mandat renouvelé, nous avons un avis et favorable et nous voyons dossier avec un avis de nomination par exécutif là. Mais là où le bas blesse, c'est que au niveau politique, pas toujours une volonté pour renouveler le mandat à temps. Du coup, ça vient faire que nous gagnons un cumul de cas côté que le mandat pour que j'aime renouveler. Mais actuellement, nous avons travaillé sur nous avons travaillé sur déjà et nous gagnons en prise de contact avec le conseil présidentiel de transition que nous avons rencontré il n'y a pas trop longtemps. Et côté que nous débattons ensemble de problèmes qui gagnent au niveau de la justice, tant de problèmes ponctuels et de problèmes structurels. Et parmi les problèmes, il y a des questions de renouvellement de mandat, donc au niveau du conseil présidentiel. Et il y a exprimé volonté pour que vous renouvelez le mandat rapidement. Et bon côté par nous, au niveau du CSPJ, tout détail administratif, nous pourrons finir avec vous pour que nous voyons le dossier. Pour dossier à jeune CPT1 pour renouvellement mandat au fait incessamment. Puis le moment rentré dans CSPJ, conseil ça, quatrième judiciaire Tulan, il fait en pile démarche et en pile discussion avec l'ancien premier ministre Ariel Henry autour de la nécessité pour que gagne un autre local doté tribunal de première instance de Port-au-Prince. Donc problème n'a pas jamais résoudre parce que en fait, il faut me préciser que même si CSPJ c'est lui-même qui a occupé de l'administration tribunal avec Couillon, mais pour ça concerne les investissements dans les infrastructures judiciaires, pour ça concerne les réhabilitations des locaux et dotation de locaux à tribunaux et Couillo, c'est de la responsabilité de l'exécutif, puisque nous-mêmes au niveau du CSPJ, nous n'avons pas un fonds d'investissement pour que nous arrivions et construire tribunal. Donc c'est légalement rôle exécutif là. Donc malheureusement, donc pas jamais gagné une solution et qui baille, mais en prise de contact qui s'est faite dernièrement avec le CPT, ce problème encore a été agité et ils ont exprimé volonté pour que nous soyons capables de comment trouver un espace pour mieux loger le tribunal de première instance de Port-au-Prince en attendant que gagne construction d'un bâtiment qui répond avec normes qui pour loger
plus grande juridiction pays. Toutes les trois années, ensemble de juges dans le tribunal de première instance, ils ont réuni puis ont désigné représentant dans le CSPJ. Et je dis, je s'était annoncé dans le calendrier électoral là, dans la juridiction des pays de Port-au-Prince et de la Côte-de-Beaucaire, nous avons réunis pour nous désigner aux représentants. Et c'est un vote massif qui est fait à l'endroit de conseiller sortant Wando Saint-Villiers, qui prend à nouveau briguer un deuxième mandat comme représentant juge dans le niveau CSPJ. Et c'est une élection qui passait très bien. Et nous encore féliciter tous les collègues magistrats qui font déplacement. Et nous rendons compte que santé, démocratie, en mettant juge, est vraiment au top. Et nous profiter tout occasion ça pour nous souhaiter encore des vœux de succès à collègue nous Wando Saint-Villiers. Et nous être confiants que les pral représentent nous de manière valable et digne dans le niveau conseil supérieur du pouvoir judiciaire. La justice souffre d'un pile problème. Nous avons besoin d'abord de conseillers qui sont capables de défendre lorsque les menacés le principe de l'indépendance de la justice. Nous voulons gagner des conseillers qui pral goumen pour que jugio soit effectivement indépendant. Et nous connaissons conseiller Saint-Villiers, son ancien syndicaliste qui pouvait lire en tant que tel. Et dans trois années de mandat, il montre que lorsque l'indépendance a mis à mal, l'hypothéqué, il est toujours au rendez-vous. Et nous connaissons tous SPJ, il a un rôle pour lui administrer le pouvoir judiciaire. Et nous connaissons que situation difficile que Jujio a confronté à maigre salaire qu'il a gagné, à manque de matériel pour faire travail. Et dans la juridiction des pays de Port-au-Prince et de la Côte-de-Beaucaire, nous connaissons le tribunal nous est vandalisé par les gangs armés. Maintenant, nous avons besoin de climat de sécurité pour ces espèces capables d'adresser les problèmes, pour être capables de pouvoir matériel, tribunal en matériel, pour la justice les capables de répondre à l'aspiration justiciable. Et nous connaissons le chantier en pile. Et ces SPJ ont besoin de tout concours pour voir exécutif là, pour les capables de faire travailler ça. Et nous espérons que le conseil présidentiel avec Primature là, il pourra travailler avec ces SPJ pour voir comment la justice est capable d'affirmer, puisque nous avons un climat d'insécurité généralisé, pour résoudre la question, la justice les gagne mopal, place pal. Et nous rendons compte que en pile palais a fait sous la police, que gagne une force militaire qui est entrée, gagne des moyens qui a mis pour la police faire travail, mais malheureusement, nous rendons compte que la justice est pratiquement absente dans le discours autorité politique et même discours de la communauté internationale. S'il faut renforcer la police, ce qui est indispensable, mais qui projette bien tout pour comment capable renforcer la justice alors que nous connaissons que nous pratiquement sinistrés. Nous avons pile tribunal qui est incendié par des gangs armés et nous connaissons que nous avons pile magistrat tout qui est en difficulté tout par rapport à côté habité. Nous croyons que le chantier est immense et nous espérons que le nouveau conseil qui va l'installer en octobre pourra avoir une bonne collaboration de pouvoir exécutif là pour adresser l'ensemble des problèmes que la magistrature lui-même l'a fait face avec lui. D'abord, c'est regrettable pour nous constater que par que Thieu, ils ont obligé d'entrer en grève pour être capable de jouer une revendication satisfaction. Et nous comprenons que depuis quelque temps, revendication est sous table et il y a des promesses qui étaient bailles, il y a des commencements d'exécution qui fait et ils ont rendu compte que ben ça que ils ont promis, ils ont campé. Nous comprenons que revendication est juste et nous croyons que c'est une nécessité pour le ministère de la Justice lui-même, il est capable ben répondre favorablement à la revendication par Kutio, qui est totalement juste, puisque l'inadmissible en 2024 pour prendre un commissaire gouvernement pour payer les 50 000 gouttes, qui pas même vaut 400 dollars américains, alors que mais traitement ça, ne pas permettre qu'ils répondent à ensemble d'obligations qu'ils ont. Donc, que le problème ça, il doit arriver au plus haut niveau, le conseil présidentiel et la primature, puis comment ils sont capables de dégager des moyens dans le budget pour répondre favorablement à la revendication par Kutio. Pas capable de gagner audience si pas de représentant ministère public. Rôle prépondérant dans la façon système non à marcher. C'est pour ça que nous croyons que c'est inadmissible pour tout le temps que vous entrez en grève pour qu'on gagne de l'engagement qui prend pour comment vous êtes capable de mettre fin à la grève. Là. Dans la période de ça, ensemble, tribunal dans le pays, vous êtes supposé réaliser des sessions d'assises criminelles. Et pas qu'à gagner assises criminelles si pas gagner implication, pas que tu es. Nous croyons que c'est une nécessité pour grève ça. Pour les camper et pour le camper, c'est l'exécutif qui doit avoir une réponse favorable à Pacutio. Et nous, quoi que tout, faut nous poser problème dans tout. Question grève là, c'est pas maladie, c'est symptôme non lié. C'est quoi la maladie? C'est que depuis Haïti existait,
pouvoir judiciaire là, il est toujours méprisé. Il n'a jamais gagné un budget adéquat pour le faire travailler. Nous croyons que grève ça, il a supposé constituer un énième mouvement de grève parce que l'autorité doit prendre conscience que la justice est son pouvoir. Comme Jean gagne, nous gagnons trois pouvoirs. Et comme il a ses pouvoirs, il doit traiter comme tel pour un budget conséquent qui pour traiter magistrat correctement. C'est par rapport à une dérive. Côté que KPTR, qui c'est le Conseil présidentiel transition, hein, fait choix, voyez l'aide bail, il n'a pas, qui c'est une entité en dans un parti politique qui trouve li dans KPTR pour capable de représenter paysan yo. Or, paysan yo dans section communale yo, c'est nous-mêmes en tant que paysan qui plus victime par rapport à la situation paysan qu'on est. Et choix ça a tout, li fait nous comprendre clair, c'est pas seulement papa nation hein, que l'État haïtien lui-même était assassiné, il continue à assassiner paysans pendant que vous faites choix ça. Parce que nous gagnons ensemble organisation avec fédération paysans ça yo, COPADA, paysans engagés et en pilote organisation. Nous avons environ 150 organisations et fédérations qui mettent tête nous ensemble pour nous dire non. Pour nous dénoncer des dérives, qui sont une route pour capter. En pile, monde dans la société haïtienne, surtout dans la section communale, ils ont pensé, ils ont été capables d'aller en souffle avec présence capter. Malheureusement, le premier pas que capter en fait, c'est sous coup paysan qui ont mis pied. C'est pour ça. Nous-mêmes, dans la coalition, fédération et organisation paysan en DEO, nous faisons une première conférence de presse pour nous capables de dénoncer ça. Et nous continuons avec lui pour nous dire nous ne sommes pas d'accord. Ça, c'est un acte inacceptable, intolérable pour nous d'accord. C'est une entité en dedans, un parti politique qui trouve non seulement dans le KPT, mais tout. Qui est au ministère normal. Et ministère, ça, c'est un ministère qui a dû travailler pour venir joindre nous en tant que paysans, pour permettre que nous sommes capables de jouer dans le grain. Ça, pourquoi fait? Pendant plus de deux mois, KPT a été installé. Pendant environ un mois, gouvernement, nous-mêmes, en tant que paysans, nous ne pouvons jamais sentir. Et qui pisait dans tout ça, c'est que yo doit, ça qui revient nous de droit, qui c'est choix pour que nous doit nous pour nous faire choix. Il y a un membre qui représente nous dans le KEPA et que KPT, qui est le Conseil de transition, a retiré le nom de nous. C'est pour ça, nous-mêmes en tant que paysans, nous pas choisi Goumen avec KPT. Rôle nous, c'est ou bien objectif nous-mêmes, c'est ouais gagner stabilité, gagner la paix dans le pays pour permettre que dans Renouyo, il ne pas continuer à gâter dans la section communale, mais pour que dans Renouyo, nous avons possibilité, face, avec facilité, pour nous capables d'entrer pour Port-au-Prince, pour non seulement nous capables d'entrer pour Port-au-Prince, pour nous capables de vendre, mais tout pour nous capables de gagner en grès. Et si depuis Kounia, dans ça nous gagnons deux doigts, capeter en voulant retirer le nom de nous, nous pas ouais avenir pour ce secteur ça. C'est ça que je dis, hein? Nous entamer ensemble de massaillons. D'abord, nous guettons écrit capeter. Nous écrivons une lettre pour nous dénoncer des dérives ça, parce que c'est déjà malhonnête. C'est malhonnête. Pour KPT, hein, fait choix de yon membre, yon parti politique, yon entité dans un parti politique pour capable de représenter et secteur. C'est un ensemble d'organisations, nous capables d'identifier, c'est plus que 100 organisations paysans qui mettent tête ensemble pour capable de faire une conférence de presse. Pour nous dire non, nous pas d'accord, c'est intolérable, quel que soit sa gens capable si KPT, hein, li vle que nous prenons la rien, n'a pas fait ça. Et c'est ça que nous commençons par Port-au-Prince pour nous bailler conférence de presse au cours de semaine là, n'a pas cap nous gagner pour nous gonna une semaine prochaine pour nous dire non, nous pas d'accord, nous là jusqu'à ce que Maïm nous dit toujours dit ça, c'est dans casser Maï, yo régler bougon. Eh bien, nous dit capeter. S'il pas attendre la raison, dans casser Maï, n'a pas régler bougon. Merci. Faut capeter attendre la raison parce que nous avons toujours admettre que KPT a doit toujours faire une erreur. OK, mais comme étant donné que l'être là a le choix pour faire, nous espérons qu'il y a tourné sous décision
et que pour normalement yo admettre vraiment vrai que secteur là son secteur qui vraiment là je pas ta prendre pour remettre à un grain organisation paysan. OK, donc pendant ce temps que nous mêmes qui c'est une plus gros coalition et organisation paysan qui gagne dans pays là, donc nous pas même au courant de ça qu'a fait là. Donc alors que c'est nous mêmes et au niveau de organisation paysan, au niveau de compada, au niveau de combat, OK, donc combat qui sont en fédération qui gont paquet organisation paysan la donne. Donc c'est nous mêmes qui proche paysan yo. OK, donc en dehors c'est nous mêmes qui a accompagné yo, c'est nous mêmes donc qui gont large représentation dans secteur là. Donc comment faire pour un choix comme ça fait et que nous mêmes pour nous pas au courant de choix ça qu'a fait là, c'est pas possible. Et voilà, merci la famille, comme toujours un maximum de commentaires, un maximum de partage. Moi dis à fois mes amis proches ou pour capable abonner à la chaîne ici là, et puis pas oublier ben nos petits pouces bleus hein, pour nous dire que vous appréciez le travail. Puis après, qu'est-ce qu'on dit? À la prochaine.